amis, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer l'épisode, je voulais vous dire, voilà, si vous aviez des idées de jeux à me donner, parce que du coup, ça fait quand même quelques semaines qu'on est sur Little Big Workshop. Je pense que je vais voir pour faire aussi, pour compléter avec un autre jeu, parce qu'au bout d'un moment, vous allez en avoir marre, je pense. Pour le moment, moi, le jeu me plaît toujours, mais bon... Qui dit que dans un mois ce sera toujours pareil, je vais pas finir par m'ennuyer, on ne sait jamais. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Donc aujourd'hui on se retrouve du coup sur un nouvel épisode Little Big Workshop. Aujourd'hui du coup on a prévu d'acheter la parcelle et d'agrandir les salles d'assemblage. Puis ensuite on fera un petit peu de farm pour pouvoir acheter nos machines métal et plastique. Alors... La parcelle, c'est ici. On a largement de quoi l'acheter. Voilà. Parfait. Hop. On se remet en mode normal. Donc, on va mettre une pause, histoire de pas finir en faillite sans qu'on s'en rende compte. Donc, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais agrandir. Je pense que je vais tout construire déjà. Agrandir par là. Et puis on va installer nos salles ensuite. Hop. Voilà. Je pense que ça peut être pas mal déjà. Une deuxième pour l'assemblage. Voilà. Est-ce qu'on peut voir? D'accord, il n'y a pas de malus de grande salle, c'est qu'on doit être pas trop mal. Hop. On va installer les portes. Hop. Du coup, on va en mettre une là, histoire de valider. Après, on déplacera pour pouvoir mettre une porte par là. Je pense que je vais aussi faire une deuxième salle de pause. Parce que du coup, celle-là, elle est un peu courte. Si on agrandit ici, on va peut-être prendre plus d'employés. Du coup, ça peut peut-être être compliqué. Donc, je pense que je vais faire une deuxième salle de pause ici. D'où la porte là. Hein. Ici, on va se mettre l'assemblage. Et là, on pourra du coup mettre nos... Peut-être du coup déplacer... Alors, déplacer la peinture ici. Bon, attendez, je vais commander. Hop. C'est comme on sait depuis quelques épisodes maintenant, c'est un peu long les constructions. Donc, on va lancer, on va mettre le mode réparation. C'est les trucs à réparer. Hop. Voilà, un petit tour des machines. Hop. Voilà, comme ça du coup on aura une deuxième grande salle de pause. On aura une deuxième grande salle de pause. Notre assemblage, on sera plus limité, puis ça évitera d'encombrer ici par exemple. Ici et ici, on va pouvoir les enlever. Et du coup, peut-être... Donc la couture, elle est là. Si je me trompe pas, couture, colle, oui. Donc peut-être décaler la peinture ici. Laisser le plastique du coup, toute cette pièce là, et mettre nos machines à métal ici. Et si on n'a pas assez de place, on aura de quoi agrandir un petit peu encore. Bon, on va accélérer un peu tout ça parce que c'est pas qu'ils sont lents, mais un petit peu quand même. Enfin, du moins pour notre perception quand on attend, ça paraît lent. Où on en est sinon ici? Les tables et les snowboards sont bientôt finis, les chapeaux aussi. Alors, attendez, on va relancer. On va relancer des chapeaux. Les chapeaux, on en fait 20. Donc, on peut en préparer 20 de plus.
Voilà, les snowboards. Là, j'en ai fait 10. Je vais en faire cela plutôt parce qu'il y a beaucoup plus de demandes. Hop. Et du coup, nos tables aussi. Les tables, on les fait 5 par 5. Je vais préparer du coup 5 de plus. Voilà. Et nos poupées, ben, on en a déjà plein de prêtes. Donc ça va. Ouf, juste à temps. Allez, on finit les salles. Ils sont presque terminés. Voilà. Non, on n'a pas le malus, donc on peut quand même faire des grandes salles sans avoir le malus. Donc, hop, on va déplacer ici. Celle-là. Ici. Voilà. Déjà ça. Pour mettre une porte. On va enlever la zone jaune. Je vais le mettre là et comme ça on pourra mettre une porte. Hop. Alors on avance dans le palier. Gagner plus de 75 000 avec des livraisons au marché. D'accord. Ah bah oui, mais je suis bête. Il n'y a pas que ça qui gêne. Le cactus aussi il gêne. On va le mettre ici, admettons. Quoi qui c'est la porte. C'est peut-être plutôt le panneau qui gêne. Le panneau. On va le déplacer. Juste pour 2 minutes, on va le mettre là. Hop. Déplacer ça là. Voilà, si vous pouvez le faire. Voilà, et comme ça, on va pouvoir mettre une porte ici. Voilà. Commandé. Donc, notre panneau, on va le déplacer. On va se le mettre là. L'assemblage, du coup, il se met tout là. Ce que je vais faire, du coup. On va acheter des assemblages en plus. Hop. Hop. Voilà, ça me paraît pas mal. Et ce qu'on va faire, on va se mettre des panneaux en fait. Du coup, ici, il y aura 2 assemblages pour faire les petits projets. Ensuite, on va se mettre 2 petits panneaux. Et on va faire 2 slots de 4 assemblages, je pense. Comme ça, on peut diviser un peu les assemblages, ça évite d'avoir une pile immense. Je vais les mettre tous les deux là. Je sais pas si c'est une très bonne idée, on verra. Hop, on associe du coup ces 4 là et à celui-là ces 4 là.
Voilà, ça a bien dissocié. Ok. Ensuite, il nous faut des zones. C'est un peu la galère pour les zones. Tant pis, hein. Matériaux spécifiques à une table. Hop. Valide. Matériaux spécifiques pour l'autre table. Et du coup, on n'a pas de zone jaune non plus. À la limite, on peut s'en mettre une là. Il va encore glisser. Hein. Ça doit pas être très... Ah, on a une scène de photos qui ont été faites. Ah, on en a 10, donc on peut en faire largement 20. Hop, voilà. Du coup, notre truc, forcément, c'est en négatif, c'est normal. C'est normal, c'est normal. On n'a pas mis encore de décoration. Ok. Du coup. Du coup, on a validé. Gagné plus de 75 000 avec des livraisons marché. Atteignez une valeur nette de moins 1500. Ok. Et du coup, ça nous a débloqué des choses. Ok. Enfin, débloqué. On a eu des points de recherche, on a passé un niveau avec. Ça c'est pas mal. Ok. Alors. Du coup, on veut déplacer notre métal ici. Le petit panneau qui va avec il est là. Hop, la zone bleue. Côté, voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ici? Il y avait ça. On va le mettre là. Ça, c'est pas lié. Bon. Hop, on va déplacer les plantes aussi, parce que sinon la déco va plus être bonne. Je crois que j'ai tout déplacé. Ah non, celui-là, je l'ai pas déplacé. Là, et du coup, il manque un panneau. Voilà, celui-là. Hop. Et du coup, voilà, ce panneau il était pas lié. Voilà, c'est pas mal. Donc ensuite, la peinture. On va se la décaler ici. On va déplacer une plante avec. Voilà. Ok, on va déplacer la zone jaune par là. Voilà. La zone bleue, on va aussi la déplacer juste pour être un peu plus confortable de l'autre côté. Voilà. Hop. Là on est à 13, là on est à moins 5. Hop, là on a des objets qui donnent un peu plus, du coup on va pouvoir mettre des trucs un peu plus gros. Voilà. On est pas mal là déjà. Ici, motivation moins 1. Plus 13. Hop.
On va leur mettre un peu d'eau. Voilà, comme ça on est tranquille. Ok. On est pas mal. Il nous reste 21 000. Du coup, tous les projets sont ici. On va en décaler. On va déplacer celui-là là. Les fixations, ça va avec. Voilà. Les tables sur l'autre. Voilà. Et les poupées, on va les laisser à celui-là. Ok. Donc on est bien, on est pas mal. Bon, il nous faut quand même quelques ouvriers en plus du coup. Parce qu'on a rajouté plein de tables, mais si on n'embauche pas d'ouvriers... Ah, je suis au max. J'ai 4 transporteurs. Bon, ça devrait le faire, je pense, quand même. On a plus besoin quand même d'ouvriers que de transporteurs, donc... Et on va se faire du coup peut-être une salle de pause. Faudrait quand même mettre une porte... là. Comme ça, ils iront plus facilement à la pause. Voilà. Alors, ils n'ont pas tout déplacé encore. Ça faudrait réparer. Et par contre, du coup, notre peinture, là, elle n'a pas de zone 2. On va en faire une petite quand même, c'est quand même mieux. Voilà. Hop. Ici, pour le moment, on n'a pas grand chose, donc on peut se mettre une zone jaune. Voilà. Ok. On en est comment là? Productivité pas très bon. Peut-être le temps qui s'adapte au nouveau truc, peut-être, je sais pas. Alors, du coup, faut qu'on refasse une salle de pause. À refaire une salle de pause. Arrive pas, parce que c'est pas dans ce sens-là qu'il faut prendre les choses, peut-être. Hop, hop, voilà, la table, radio, la table d'échecs, un baby foot, un petit frigo, la télé, on va se la mettre par là. Avec les jeux vidéo. Voilà. Et on va peut-être se mettre une deuxième machine là. 11 000. Bon, on a intérêt à bosser après ça. Hop. Du coup, là on a 20 poupées en cours. 5 qui sont en train de se faire là. Hop. Hop. Il y a pas mal de machines qui sont en attente encore. Accélérer un petit peu, voir comment ça se passe. À la limite. Pour éviter qu'il glisse trop. Bon, je sais pas. J'ai pas pensé aux zones, faudrait que j'installe mes zones d'abord avant d'installer les machines peut-être. C'est vrai, clairement j'ai fait ça comme ça, mais je sais pas si c'était franchement... J'ai peut-être beaucoup de tables d'assemblage par rapport à ce que je produis, je sais pas. Là c'est bon. Ah oui, alors avant qu'ils mettent des choses, il me reste que 7000. Oh, ça va, 150, c'est pas très cher. Hop, on va s'ajouter. Là, on sait qu'on a des petits objets. On va s'ajouter des trucs pour ranger plus efficacement. Des étagères. Voilà. Hop,
commander. Voilà, maintenant on arrête, on attend le retard d'argent qui remonte quand même, parce que sinon on va avoir des soucis. Hop. De toute façon, maintenant il faut aussi qu'on farme pour acheter nos machines. Si j'ai quand même plein de place sur ce bord là, je pense que j'aurai assez de place peut-être là et là pour mettre des machines. On verra, on s'adaptera. Hop. Alors, je viens de voir que ça fait déjà 24 minutes de vidéo. Finalement, on a fait toute notre construction dans les temps. On a même eu le temps de voir si ça se déroulait pas trop mal, si j'avais pas fait trop de bêtises. Donc, je vais vous laisser là-dessus pour aujourd'hui. La prochaine fois, du coup, on va refarmer un peu pour pouvoir acheter les machines à métal. En espérant qu'un épisode suffise et qu'on puisse ensuite derrière directement installer nos machines. On verra bien ce que ça donne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !